En marge de la 15e conférence islamique de l'OCI, le ministre en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a exposé face à la diaspora burkinabé à Banjul plusieurs points de la situation nationale. Il a aussi prêté oreille attentive aux préoccupations des ressortissants burkinabés sur place. Le point des échanges avec notre envoyé spécial, Mariam Matamboura. Au menu de ces échanges entre le ministre en charge des Affaires étrangères et le secrétaire général de l'OCI, la situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. La situation du Burkina est ici présentée. Plusieurs acquis dans le cadre de la reconquête du territoire et le plaidoyer est fait pour plus d'accompagnement de l'OCI, notamment dans la promotion du dialogue interreligieux et des actions de sensibilisation des populations. Toujours au chapitre des audiences, le volet humanitaire est évoqué ici avec le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'OCI. Autonomisation des femmes, accompagnement et financement des projets de développement, des domaines sur lesquels l'organisation accorde beaucoup d'importance et rassure le Burkina de son soutien. Alors nous avons saisi l'occasion pour aussi insister sur la nécessité de la présence de l'OCI sur le terrain. Nous avons déjà une belle coopération qui s'est traduite à travers des projets à résultats satisfaisants. Mais dans ce genre de partenariat, il est important que régulièrement nous puissions nous retrouver sur le terrain concret, là où les actions se mènent, pour que le partenaire lui-même se fasse une idée et qu'il ne soit pas seulement dans l'information à travers des rapports. Une présence sur le terrain a toujours l'avantage de lui donner une idée beaucoup plus claire de la situation. Et nous avons convenu d'organiser très vite une visite conjointe qui va connaître la présence et du département humanitaire et du département politique avec les autorités du Burkina Faso, échanger sur notre coopération et voir dans quelle mesure on peut y apporter des réponses de plus en plus appropriées. Cette audience avec le ministre des Affaires étrangères de la Gambie referme le chapitre des audiences. Avec lui également, il s'est agi de la coopération entre le Burkina Faso et la Gambie. La Gambie, qui a désormais la présidence en exercice de l'OCI, pourrait plaider en faveur du Burkina dans plusieurs domaines de développement.